En approchant, ils virent que c'était un château de pierre noire, s'étendant, immense, sous une couche protectrice de lichen vert foncé. Des tours semblaient s'élever au hasard de l'antique structure dans laquelle ne s'ouvrait nulle fenêtre, l'unique orifice visible étant un haut portail condamné par d'épais barreaux qui semblaient chauffés au rouge, bien que ne dégageant aucune chaleur. Au-dessus de ce portail se trouvait, couleur d'ambre flamboyant, le signe des seigneurs de l'entropie, 8 flèches irradiant d'un moyeu central. Il semblait être suspendu dans l'air, sans toucher la pierre noire recouverte de lichen. Il semble que notre quête s'achève ici, dit Elric d'une voix sombre. Ici ou nulle part. Avant d'aller plus loin, ami Elric, j'aimerais que vous me disiez ce que vous cherchez, murmura Tristelune. Je pense avoir mérité de le savoir. Un livre, dit Elric négligemment. Le livre des dieux morts. Il se trouve dans les murs de ce château. De cela, je suis certain. Tristelune sourit en haussant les épaules. Ma question était inutile, puisque les mots que vous utilisez ne signifient rien pour moi. J'espère avoir droit à une petite part du trésor qu'il représente, quelle que soit sa nature. Elric sourit malgré l'angoisse qui l'étreignait. Mais au lieu de répondre à Tristelune, il dit « Encore faudrait-il pouvoir pénétrer dans ce château ?» Comme si les portes l'avaient entendu, les barreaux rougis virèrent au vert pâle, puis de nouveau au rouge, et enfin disparurent. L'entrée était libre, plus rien ne les empêchait de la franchir. « Cela ne me plaît guère, » grommela Tristelune. « C'est trop facile, un piège nous attend. Allons-nous y tomber parce que tel est le plaisir de celui qui hante ces lieux ?»« Que pouvons-nous faire d'autre ?» demanda calmement Elric. « Revenir en arrière ou bien avancer. Mais éviter ce château, ne pas affronter celui qui garde le livre. » Charilla l'avait agrippé par le bras et le regardait avec des yeux suppliants et agrandis par la peur. « Oublie le livre, Elric. Maintenant ?» dit le Limbonéen avec un sourire dénué de joie. « Après tout ce voyage ?»« Non, Charilla. La vérité est trop proche. Plutôt mourir que renoncer à la sagesse du livre maintenant qu'il est à portée de la main. » Charilla le lâcha et lui dit avec désespoir « Mais nous ne pouvons pas nous battre contre les serviteurs de l'entropie. » « Ce ne sera peut-être pas nécessaire. » Elric avait peine à croire ses propres paroles. Une sombre émotion d'une terrible intensité l'étreignait. Tristelune regarda Charilla. « Elle a raison, » dit-il avec conviction. « Nous ne trouverons que de l'amertume et peut-être la mort dans ces murs. Essayons plutôt de regagner la surface par ces escaliers. » Ce disant, il leur montra des marches taillées dans la paroi qui montaient vers l'ouverture béante creusée dans le sommet de l'immense caverne. Elric secoua la tête. « Vous êtes libre. » Tristelune fit une grimace exprimant la perplexité. « Vous êtes bien l'homme le plus têtu que je connaisse, ami Elric. Bien, puisque c'est tout ou rien, je suis avec vous. Mais personnellement, j'ai toujours préféré les compromis. » Elric avança lentement vers la sombre entrée du sinistre château. Dans une large cour carrée, un immense personnage vêtu de flammes écarlates l'attendait. Elric continua d'avancer, suivi de ses tremblants compagnons.
Un rire tonitruant sortit de la bouche du géant, et les flammes qui l'entouraient vacillèrent. Il était nu et sans armes, mais dégageait une puissance telle qu'elle faillit faire reculer les trois intrus. Sa peau écailleuse était couleur de pourpre et de fumée, et son corps massif constitué de muscles alertes et vibrants. Son crâne était allongé et ses yeux dénués de pupilles, pareils à des éclats d'acier bleui. Son corps entier était agité de puissants et joyeux soubresauts. Bienvenue, Elric de Melniboné. Je vous félicite pour votre remarquable ténacité. Qui êtes-vous ? Gronda Elric, la main sur l'épée. Mon nom est Orunlu, le gardien, et vous vous trouvez dans une forteresse des seigneurs de l'entropie. Le géant sourit avec cynisme. Vous vous enorgueillissez d'avoir improvisé quelques esprits naturels, mais il vous sera inutile de faire appel à cette chétive lame. Vous devriez savoir que je suis incapable de vous nuire. Il est donc vrai que les serviteurs de la loi et du chaos sont impuissants contre les hommes. La voix d'Elric trahissait son émoi. Vous ne pouvez pas nous arrêter ? Je ne l'ose pas, puisque mes efforts obliques ont échoué. Mais je dois admettre que votre folle entreprise m'étonne. Le livre est de grande importance pour nous, mais que peut-il signifier pour vous ? Je l'ai gardé pendant 300 siècles sans jamais être tenté de découvrir pourquoi mes maîtres y attachaient tant d'importance, au point de s'être donné la peine de l'arrêter dans sa course vers le soleil et de l'incarcérer dans cette ennuyeuse boule de terre peuplée par les clowns éphémères et agités que vous nommez hommes. « J'y cherche la vérité, » dit Elric, se sentant stupide. « La seule vérité est la lutte éternelle, » dit avec conviction le géant vêtu de flammes écarlates. « Qui règne sur les forces de la loi et du chaos ?» demanda Elric. « Qui contrôle vos destinées comme les nôtres ?» Le géant plissa le front. « Je n'ai pu répondre à cette question car je ne le sais pas. » « Le livre nous l'apprendra peut-être, » dit Elric. « Laissez-moi passer, dites-moi où il se trouve. » Le géant fit un pas de côté, souriant ironiquement. « Il se trouve dans une petite chambre de la tour centrale, j'ai juré de ne jamais y mettre les pieds. Sans quoi j'irai jusqu'à vous y conduire. Allez, si vous le voulez, j'ai fait mon devoir. » Elric, Tristelune et Charilla se dirigèrent vers l'entrée de la tour, mais avant qu'ils y pénétrèrent, le géant leur adressa une mise en garde. « On m'a dit que le savoir contenu dans le livre pourrait faire pencher la balance en faveur de la loi. Cela me trouble, mais il me semble qu'il existe une autre possibilité, encore plus inquiétante. « Quelle est-elle ? » demanda Elric. L'effet de son impact sur l'univers pourrait être tel qu'il en résulterait une entropie totale. Mes maîtres ne désirent pas cela, car cela signifierait la destruction de toute matière. Nous n'existons que pour lutter, non pour vaincre, mais afin de maintenir la lutte éternelle. Peu importe, lui dit Elric. « J'ai bien peu de choses à perdre. Orunlu, le gardien. » «
Vous pouvez aller donc. Le géant traversa la cour et disparut dans l'ombre. Dans la tour, une pâle lumière permettait de voir un escalier en spirale. Elric commença à monter en silence, mu par son funeste dessein. Tristelune et Shaharila le suivirent en hésitant. Une acceptation résignée se lisait sur leur visage. Spirale après sombre spirale. L'escalier continuait à monter et enfin ce chemin tortueux les mena à la chambre emplie d'une lumière aveuglante, multicolore et scintillante, qui, loin de se répandre au dehors, restait confinée dans la chambre qui l'abritait. Eric s'avança en se protégeant les yeux avec son bras. Ses pupilles rétractées perçurent la source de la lumière posée sur une petite pierre au centre de la pièce. Également gênés par l'intense lumière, Shaharila et Tristelune le suivirent et furent pris d'une crainte respectueuse devant la vision qui leur fut révélée. C'était un immense livre, le livre des dieux morts, à la reliure incrustée de gemmes inconnues d'où la lumière émanait. Il resplendissait, il palpitait de lumière et de couleurs. « Enfin !» s'exclama Elric d'une voix étouffée. « Enfin la vérité !» Il avança du pas d'un homme ivre et ses mains se tendirent vers l'objet qu'il avait cherché avec une obstination aussi implacable. Ses mains touchèrent la reliure palpitante et l'ouvrirent en tremblant. « Enfin, je vais savoir !» dit-il avec une avidité triomphale. La reliure tomba au sol avec fracas, en voyant rouler et rebondir les pierreries sur le pavage. Sous ses mains frémissantes, il n'y avait plus qu'un tas de poussière jaunâtre. Non, c'était un cri d'angoisse et d'incrédulité. Non, il plongea ses mains dans la fine poussière et des larmes coulèrent sur son visage torturé. Avec un gémissement qui secoua tout son corps, il tomba tête en avant sur le parchemin désintégré. Le temps avait détruit le livre, intouché, oublié peut-être, depuis 300 siècles. Même les sages et puissants dieux qui l'avaient créé avaient péri, et maintenant leur savoir tombait à son tour dans l'oubli. Il se trouvait sur le flanc d'une haute montagne, face à de vertes vallées. Le soleil brillait dans un ciel immaculé. Derrière eux se trouvait l'ouverture béante qui menait dans les entrailles de la terre, jusqu'à la forteresse terrestre des seigneurs de l'entropie. La tête basse, Elric regardait tristement ce monde. Sa lassitude et son désespoir étaient infinis. Il n'avait pas dit un mot depuis que ses compagnons l'avaient arraché, sanglotant, à la chambre du livre. Il releva la tête. Toute la douleur du monde se reflétait sur son visage pâle. Il parla sur un ton mi-moqueur, mi-amer, d'une voix pareille au cri des oiseaux de mer affamés survolant une mer stérile et des rivages déserts. « Ainsi donc, dit-il, je vivrai ma vie sans jamais savoir pourquoi je la vis, sans savoir si elle a un but ou non. Peut-être le livre aurait-il pu me le dire, mais l'aurais-je cru ? Je suis l'éternel sceptique qui ne saura jamais avec certitude si ses actions sont bien les siennes ou s'il est guidé par une entité ultime. » J'envie ceux qui savent. En attendant, je ne puis que poursuivre ma quête et espérer sans espoir qu'avant la fin de mon séjour terrestre, il me sera fait don de la vérité.
Charilla, les yeux emplis de larmes, prit la main inerte d'Elric entre les siennes. Elric, laisse-moi te réconforter. L'albinos eut un rire moqueur. Il eût mieux valu que nous ne nous rencontrions jamais. Charilla de la brume dansante. Un moment, tu m'as redonné espoir, me faisant croire que j'étais enfin en paix avec moi-même. Et maintenant, à cause de toi, je suis plus désespéré que jamais. Il n'y a pas de salut dans ce monde, rien qu'un destin funeste et pervers. Adieu. Il libéra sa main et commença à descendre vers la vallée. Triste Lune jeta un regard perçant à Charilla, puis à Elric. Il prit quelque chose dans sa bourse et le mit dans la main de la jeune femme. « Bonne chance, lui dit-il. » Puis il dévala la pente jusqu'à ce qu'il eût rattrapé Elric. Sans ralentir le pas, l'albinos se retourna vers lui. « Qu'y a-t-il, ami Triste Lune? Pourquoi me suivez-vous »« Je vous ai suivi jusqu'ici, maître Elric. Et je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai en si bon chemin. » Par ailleurs, ajouta-t-il en souriant, je suis, contrairement à vous, matérialiste. Il va falloir manger, vous savez. Elric sentit son cœur se réchauffer. Que voulez-vous dire, Triste Lune? Le petit homme étouffa un rire. Je fais de mon mieux pour tirer avantage de n'importe quelle situation. Il fouilla dans sa bourse et exhiba dans sa paume un objet brillant d'un éclat aveuglant. C'était un des joyaux provenant de la reliure du livre. Il prit Elric par le bras. « Venez, maître, dans quelle nouvelle contrée irons-nous échanger ces babioles? Contre du vin et de la plaisante compagnie ?» Derrière eux, immobile comme une pierre sur le flanc de la montagne, Charilla les suivit d'un regard misérable jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Ses doigts lâchèrent le joyau que Triste Lune lui avait donné. Il roula, rebondit et alla se perdre dans la bruyère. Puis elle se retourna face à la bouche béante et noire de la caverne. La citadelle qui chante. La mer turquoise était paisible dans la lumière dorée du soir. Debout près du bastingage, les deux hommes regardaient l'horizon brumeux du nord. L'un était grand et mince. Il avait rejeté en arrière le capuchon de sa lourde cape noire, révélant ses longs cheveux d'une blancheur laiteuse. Son compagnon était petit et roux. « Elle était belle, et vous aimez, » dit ce dernier. « Pourquoi l'avez-vous quittée si brusquement ?»« Oui, elle était belle, mais mon amour aurait fini par lui être fatal. Elle trouvera sa voie sans moi. J'ai déjà tué une femme que j'aimais, Triste Lune, et je ne tiens pas à ce que cela se reproduise. » Triste Lune haussa les épaules. « Je me demande parfois, Elric, si votre ténébreuse destinée n'est pas la création de votre imagination morbide. »« Peut-être, » dit Elric, « mais je préfère ne pas mettre cette théorie à l'épreuve. » Parlons d'autre chose. La mer bouillonnait sous les efforts des rames qui les poussaient vers le port de Dakos, capitale de Jarkor, un des plus puissants jeunes royaumes. À peine 2 années auparavant, Darkor, roi de Jarkor, avait trouvé la mort dans l'infortuné raid contre Imrir, et Elric avait entendu dire que les habitants de Jarkor le blâmaient, à tort d'ailleurs, de la mort de leur jeune roi. Peu lui importait d'ailleurs, car la majeure partie de l'humanité ne lui inspirait que du dédain. Dans 1 heure, il fera nuit, et il faudra mouiller l'ancre, dit Triste Lune. Je vais me coucher. Elric allait lui répondre lorsqu'il fut interrompu par un cri venu du nid de Pie. Une voile par bâbord arrière. La vigie avait dû somnoler car le vaisseau qui venait vers eux
était déjà nettement visible du pont. Henrik laissa passer le capitaine, un noir Tarkeshit, qui arrivait en courant. « Quel genre de bâtiment est-ce, capitaine ?» demanda Tristelune. « Une trirème de Pantang, un navire de guerre. Il se prépare à nous éperonner. » Le capitaine courut vers l'homme de barre, lui criant de changer de cap afin d'éviter la collision. Henrik et Tristelune allèrent à bâbord pour mieux distinguer le navire. Ses voiles étaient noires et sa coque également noire était rehaussée de lourdes dorures. Il avait 3 rangs de rameurs alors que leur navire n'en avait que 2. La courbure de sa haute proue et sa poupe surbaissée le rendaient élégant malgré sa masse imposante. Son étrave cuirassée de feuilles de cuivre fendait l'eau et le vent était en sa faveur. Pris de panique, les rameurs nous faisaient des efforts surhumains pour faire virer le navire, mais abattaient leurs rames dans la plus grande confusion. Tristelune regarda son compagnon en souriant. « Ils n'y arriveront jamais. Préparez votre épée, ami. » Pantang était une île de sorciers purement humains. Qui tentait de rivaliser avec l'ancien pouvoir de Melniboné. Leur marine était l'une des meilleures des jeunes royaumes et pillée sans discrimination. Jagrin Lern, théocrate de Pantang et chef de l'aristocratie religieuse, était censé avoir fait un pacte avec les puissances du chaos et viser à la domination du monde. Henrik considérait les hommes de Pantang comme des arrivistes qui n'égaleraient jamais la gloire de ses ancêtres. Mais il dut admettre que leur navire était impressionnant et n'aurait guère de mal à vaincre la galère Tarkeshit. La grande trirème était tout proche et l'équipage retint son souffle car le choc était inévitable. Dans le bruit des planches fracassées, l'éperon les frappa à l'arrière, ouvrant une large voie d'eau sous la ligne de flottaison. Immobile, Elric vit les grappins de fer s'abattre sur leur pont, sans grand enthousiasme, sachant qu'il n'était pas de taille à affronter des pirates entraînés et armés jusqu'aux dents. Les Tarkeshit se précipitèrent vers la poupe pour empêcher l'abordage. « Elric !» dit Tristelune d'une voix pressante. « Il faut les aider !» Elric consentit à contre-cœur. Il hésitait à tirer de son fourreau la lame noire d'origine surnaturelle avec laquelle il vivait en symbiose. Il s'était souvent interrogé sur la véritable nature de l'épée, se demandant quel était son degré de conscience et la haïssant pour ce qu'elle avait fait de lui, tout en sachant qu'il avait besoin d'elle pour survivre. La première vague de guerriers vêtus d'armure écarlate, armée de sabres et de haches d'armes, sauta à bord et repoussa les rangs serrés des marins Tarkeshit. La main d'Elric s'abattit sur la garde de Stormbringer. Lorsqu'il dégaina, l'acier diabolique gémit et sembla émettre une étrange lumière noire. Elric courut pour aider les Tarkeshit, et dans sa main, l'épée palpitait comme un être vivant. La moitié des défenseurs était déjà hors de contrôle. La moitié des défenseurs étaient déjà hors de combat et les autres reculaient, mais Elric s'avança, suivi de près par Tristelune. L'expression triomphale des guerriers écarlates se changea en surprise lorsque la longue épée d'Elric s'abattit sur l'un des leurs, fendant son armure de l'épaule au sternum.
Ils reconnurent l'albinos et son épée, car tous deux étaient légendaires. Malgré l'art consommé de Triste Lune, ils l'ignorèrent pour concentrer leurs forces sur Elric, car sa mort était leur seule chance de survie. Lorsque sa lame moissonnait les âmes, Elric était entièrement dominé par la soif meurtrière de ses ancêtres. Il ne fit qu'un avec son épée, et l'épée fut son maître. De tous les côtés, les hommes tombaient hurlant d'épouvante plutôt que de douleur en comprenant ce que l'épée leur retirait. Ils vinrent à quatre contre lui, faisant siffler l'air de leurs haches. Elric en décapita un, entailla profondément l'estomac d'un autre, trancha le bras du troisième et enfonça sa lame pointe, la première, dans le cœur du dernier. Les Tarkshites l'acclamèrent et aidèrent Elric et Triste Lune à nettoyer le pont de la galère qui s'enfonçait lentement. Hurlant comme un loup, Elric saisit une corde faisant partie du gréement de la trirème noir et or et sauta sur le pont du navire ennemi. « Suivez-le !» cria Triste Lune. « C'est notre seule chance. Le navire est perdu. » La trirème avait des ponts surélevés à l'avant et à l'arrière. Sur le pont avant se tenait le capitaine superbe dans son uniforme écarlate et bleu, mais consterné par la tournure que prenaient les événements. Il avait cru s'emparer sans effort du vaisseau Tarkshit et maintenant il semblait que c'était son propre vaisseau qui allait être pris. Elric alla vers l'avant et Stormbringer chanta une plainte triomphale et extatique. Les guerriers qui restaient avaient fort à faire avec Triste Une, qui avait pris la tête de l'équipage Tarkshit. Et Elric put avancer sans encombre. Le capitaine faisait partie de la théocratie et serait plus difficile à vaincre que ses hommes. Elric remarqua que son armure luisait de façon particulière. Elle avait dû subir un traitement magique. Le capitaine était le modèle même du théocrate lourd, portant une barbe fournie avec un regard noir et malicieux, et un nez fort et crochu. Ses lèvres rouges et épaisses souriaient, tenant d'une main une hache d'armes et de l'autre un sabre. Il attendait de pied ferme Elric. Elric empoigna Stormbringer des deux mains et porta un coup d'estoc vers l'estomac du capitaine, mais celui-ci fit un pas de côté, para son attaque avec son sabre et leva sa hache au-dessus de la tête nue de l'albinos. Elric se rejeta vivement de côté, mais trébucha et tomba, se laissant rouler juste à temps pour éviter l'épée qui érafla le pont. Stormbringer para de son propre mouvement la furieuse attaque de la hache, dont elle coupa le manche au ras de la cognée. Poussant un juron, le capitaine jeta le manche devenu inutile et, saisissant son sabre des deux mains, se leva. De nouveau, Stormbringer réagit une fraction de seconde avant son maître et s'enfonça droit dans le cœur de l'homme. L'armure magique l'arrêta un instant, puis avec un chant plaintif et grinçant, Stormbringer fit éclater l'armure comme une coque de noix. L'adversaire d'Elric se retrouva torse nu, ses bras levés, tenant encore le sabre. Il recula, fixant de ses yeux exorbités la maléfique épée runique qui le frappa sous le sternum et s'enfonça. Il grimaça, gémit et lâcha son sabre pour agripper des deux mains la lame noire qui buvait son âme. Par Chardros, Il mourut en sachant que même son âme n'était pas à l'abri de sa lame infernale de l'albinos au visage de loup. Elric arracha Stormbringer au cadavre et sentit sa vitalité s'accroître lorsque l'épée lui transmit l'énergie volée. Sur la trirème, on n'épargna que les esclaves. Le pont s'inclinait dangereusement, car l'éperon et les grappins étaient toujours reliés au navire qui coulait. Coupez les cordes des grappins et ramez
à rebours pour dégager l'étrave. « Vite !» hurla Elric. Se rendant compte de la situation, les marins s'empressèrent de lui obéir. Les esclaves ramèrent à rebours et d'autres coupèrent les cordes. La trirème se redressa et l'épave alla à la dérive. Elric compta les survivants. Il restait moins de la moitié de l'équipage. Le capitaine avait été tué au cours du premier engagement. Il s'adressa aux esclaves. « Ramez vers Darkos !» et je vous donne votre liberté. » Le soleil se couchait, mais il décida de naviguer aux étoiles. « Pourquoi leur offrir la liberté ?» lui demanda Tristelune, avec incrédulité. « Nous aurions pu en tirer un bon prix. Cela nous aurait payé de nos fatigues. » Eric haussa les épaules. « Je leur offre la liberté parce que tel est mon bon plaisir, Tristelune. » Le petit homme roux soupira et alla surveiller les hommes qui basculaient les morts et les blessés par-dessus bord. Il se dit qu'il ne comprendrait jamais l'albinos. Cela valait d'ailleurs mieux, peut-être. Ce fut ainsi qu'Elric fit une entrée triomphale à Darkos. Alors qu'il avait primitivement voulu se glisser dans la ville sans se faire reconnaître. Laissant à Tristelune le soin de négocier la vente de la trirème dont il comptait partager le prix avec l'équipage. Elric, le visage dissimulé par son capuchon, se fraya un chemin à travers la foule et se dirigea vers une auberge qu'il connaissait, près de la porte ouest de la ville. Plus tard dans la nuit, après que Tristelune fut monté se coucher, Elric resta à boire dans la taverne. Même les fêtards les plus acharnés étaient partis en reconnaissant leurs compagnons. Elric buvait donc seul, à la lumière d'une unique torche de roseau placée près de la porte. La porte s'ouvrit et un homme jeune et richement vêtu apparut. « Je cherche le loup blanc, » dit-il en fouillant la sombre salle du regard. « On me nomme parfois ainsi dans cette contrée, » dit Elric calmement. « Est-ce Elric de Melniboné que vous cherchez ?»« Oui, j'ai un message pour lui. » Le jeune homme entra, s'enveloppant dans sa cape, car il faisait froid. Bien qu'Elric ne parût pas s'en rendre compte. « Je suis le comte Yolan, député commandeur de la garde de cette ville, » dit-il avec arrogance, en toisant impoliment l'albinos. « Vous avez du courage d'être venu ici ouvertement. Pensez-vous que les habitants de Jarkor ont oublié que, il y a 2 ans à peine, vous avez conduit leur roi dans un piège ?» Elric but une gorgée de vin, puis parla sans éloigner la coupe de ses lèvres. Et, à part ses discours, comte Yolan, « Quel est votre message ?» Yolan perdit de sa superbe et sa voix faiblit. « Pour vous, ce sont peut-être des discours, mais moi, en tout cas, je n'ai pas oublié. Le roi Darmite ne serait-il pas là aujourd'hui si vous n'aviez pas fui lors de la bataille qui détruisit la puissance des seigneurs de la mer et votre propre peuple ?» N'avez-vous pas utilisé votre sorcellerie pour fuir, au lieu de vous en servir pour aider les hommes qui croyaient être vos camarades ? Elric soupira. Je sais que vous n'êtes pas venu ici pour me harceler de la sorte. Darmite a trouvé la mort au cours de l'attaque contre la muraille défendant le labyrinthe d'Imrir, et non dans la bataille finale dont vous parlez.
Vous vous raillez de moi avec vos mensonges destinés à dissimuler votre lâche action, dit Yolan avec amertume. Si j'en avais le pouvoir, je vous ferais manger par votre infernale épée. Alric se leva lentement. Vos sarcasmes me fatiguent. Lorsque vous serez prêt à donner votre message, vous le direz à l'aubergiste. Il contourna la table et se dirigea vers l'escalier. Mais Yolan le retient par le bras. Alric tourna son visage d'une pâleur cadavérique vers le jeune noble. Et ses yeux cramoisis lancèrent des éclairs dangereux. « Je ne suis pas habitué à de telles familiarités, jeune homme. » Yolan laissa retomber sa main. « Excusez-moi, je n'aurais pas dû laisser mes sentiments l'emporter sur la diplomatie. Mon message demande la plus grande discrétion. Il émane de la reine Yishana. Elle a besoin de votre aide. Je suis aussi peu enclin à aider les autres que je le suis à justifier mes actes, » dit Elric, rudement. Dans le passé, mon aide n'a pas toujours été à l'avantage de ceux qui l'avaient cherché. Darmit, qui était le demi-frère de votre reine, l'a découvert à ses dépens. Vos paroles font écho aux miennes. Mais malgré ma mise en garde, la reine désire vous voir en privé cette nuit. Il prit un air menaçant et se détourna. « Je vous ferai remarquer que je pourrais vous faire arrêter si vous refusez. » « Il se peut. » Elric se dirigea vers les escaliers. « Dites à Yishana que je pars à l'aube. Elle peut venir me voir ici si c'est tellement urgent. » Il monta l'escalier, laissant Yolan bouche bée dans la taverne vide. Teleb Karna était sombre. En dépit de son habileté dans les arts ténébreux, il était sot en amour et Yishana, se prélassant dans les riches fourrures du lit, le savait. Il lui plaisait d'exercer son pouvoir sur un homme qui aurait pu la détruire par une simple incantation. Si son amour ne l'avait pas rendu si faible, Teleb Karna occupait une place élevée dans la hiérarchie de Pantang. Mais elle savait qu'elle ne courait aucun danger avec lui. En fait, son intuition lui disait que ce sorcier qui aimait dominer les autres éprouvait également le besoin d'être dominé. Et elle lui rendait ce service avec délectation. Teleb Karna la regardait sombrement. Comment cet envoûteur décadent pourrait-il t'aider là où je ne le peux pas ? Marmonna-t-il en caressant son pied couvert de bijoux. Yishana n'était ni jeune ni jolie, mais son corps aux formes pleines, son abondante chevelure noire et son visage sensuel possédaient une qualité hypnotique. Parmi les hommes que son plaisir avait convoités, rares étaient ceux qui avaient su lui résister. Sa nature n'était pas douce et elle ignorait l'abnégation autant que la justice et la sagesse. L'histoire ne lui donnerait certes pas un surnom flatteur. Pourtant, il y avait en elle une force qui défiait les critères normaux. Tous ceux qui la connaissaient l'admiraient et elle était aimée de ses sujets, un peu comme on aime un enfant capricieux, mais avec une inébranlable loyauté. Elle regarda son amant avec un rire moqueur. « Tu as sans doute raison, Teleb Karna, mais Elric est une légende, l'homme dont on parle le plus mais qu'on connaît le moins dans ce monde. Cela me donnera l'occasion de découvrir ce dont les autres ne font que discuter, son vrai caractère. » Teleb Karna caressa sa longue barbe noire et alla vers une table couverte de fruits et de vin. Il emplit deux coupes. « Si tu cherches de nouveau à me rendre jaloux, tu y réussis à merveille. Mais je n'ai guère espoir que tu réussisses. Les ancêtres d'Elric étaient des demi-démons. Cette race n'est pas humaine et ne peut être jugée selon nos critères. Il nous faut des années d'études, tandis que pour eux, c'est une chose intuitive, naturelle. Tu ne vivras peut-être pas assez longtemps pour connaître ces secrets.
Simoril, sa cousine bien-aimée, mourut de son épée et elle était sa fiancée. « Ta sollicitude est très touchante, » dit-elle en acceptant nonchalamment la coupe qui lui tendait. « Mais je persévère néanmoins dans mon plan. » Après tout, il faut dire que tu n'as guère réussi à découvrir le secret de cette citadelle. Il y a des subtilités que je n'ai pas encore eu le temps d'investiguer. L'intuition d'Elric répondra peut-être aux questions qui t'échappent, dit-elle en souriant. Elle alla vers la fenêtre et regarda le ciel limpide et la pleine lune éclairant les tours de Darkos. Yolan tarde. Si tout s'était bien passé, il devrait déjà nous avoir ramené Elric. C'était une erreur d'y envoyer Yolan. Il était lié d'amitié avec Darmit. Qui sait s'il n'a pas provoqué et tué Elric ? Il ne put se retenir de rire. Tes désirs troublent ta raison. J'ai choisi Yolan parce que je savais qu'il serait impoli avec l'albinos, entamant son insouciance et éveillant peut-être sa curiosité. Yolan était un appât pour nous amener Elric. Et si Elric s'en était rendu compte, mon intelligence n'est pas fantastique, mon amour, mais mon instinct me trompe rarement. Nous le saurons bientôt. Un peu plus tard, on gratta discrètement à la porte et une suivante entra. Le comte Yolan est revenu, Altesse. Seul, un sourire plana sur le visage du sorcier, mais il devait disparaître peu après lorsque Yeshana, vêtue pour aller en ville, sortit en claquant la porte. « Idiote !» cria-t-il en jetant sa coupe sur la porte. Il n'avait pas réussi à résoudre l'énigme de la citadelle et maintenant, si Elric le remplaçait auprès de Yeshana, il perdrait tout. Il plongea profondément, prudemment, dans ses pensées. Bien qu'Elric affirmât être dénué de conscience, son regard tourmenté démentait cette affirmation. Il était assis à la fenêtre, buvant du vin fort et pensant au passé. Depuis le sac d'Imrir, il avait parcouru le monde cherchant la signification de sa vie et un but à son existence. Récemment, il avait cru trouver la réponse dans le légendaire livre des dieux morts, censé contenir tous les secrets de l'univers. Mais ce livre vénérable était tombé en poussière entre ses mains. Pour oublier Simoril, qui hantait toujours ses cauchemars, il avait tenté d'aimer Shaharila, la femme sans aile de Myrne. Mais en vain. Et il l'avait quittée. Il pensait ne chercher que la paix, mais même la paix de la mort lui était refusée. Il était dans cette sombre humeur lorsque sa rêverie fut interrompue par un coup léger frappé à la porte. Instantanément, son expression se durcit. Il se redressa avec arrogance et son regard rouge devint méfiant. Il posa sa coupe sur la table et dit à voix basse « Entrez !» Une femme enveloppée dans une cape rouge foncée entra et referma la porte derrière elle. Elle resta immobile et silencieuse dans les ténèbres. Nul n'aurait pu la reconnaître. Puis elle prit la parole, d'une voix hésitante mais qui contenait un soupçon d'ironie. « Vous êtes assis dans le noir, Seigneur Elric. Je vous croyais endormi. » Le sommeil, madame, est l'occupation qui m'ennuie le plus, même. Mais si le manque de lumière vous déplaît, je peux allumer une torche. Il ouvrit un petit creuset contenant des braises ardentes, contre lesquelles il posa une mince baguette de bois et se mit à souffler doucement. Bientôt les braises rougirent, la baguette prit, et il s'en servit pour allumer une torche de jonc. La torche s'enflamma et fit danser les ombres sur les murs. La femme ôta son capuchon et la lumière
révéla ses traits lourds et sensuels, encadrés par une masse d'épais cheveux noirs. Elle formait un étrange contraste avec le mince et grand albinos qui, la dépassant d'une tête, la fixait d'un regard impassible. Elle n'était pas habituée à ce que l'on regardât sans manifester d'émotion, et cette nouveauté lui plaisait. « Vous m'avez fait appeler, Seigneur Elric, et voyez, je suis venu. » Elle lui fit une manière de révérence. « Reine Ishana, » dit-il en lui répondant par un petit salut. Elle sentait son pouvoir maintenant qui lui faisait face. Un pouvoir encore plus attirant que le sien. Il ne semblait pas réagir à sa présence et elle se prit à penser que cette situation qu'elle avait espéré devenir intéressante, pouvait, ô ironie, s'avérer décevante. Mais cela même l'amusait. Elric ne pouvait d'ailleurs s'empêcher d'être intrigué par cette femme. Ses sens blasés lui soufflaient que Ishana pourrait réveiller leur acuité. Cela le troublait et l'inquiétait à la fois. Il calma ses émotions et dit négligemment « J'ai entendu parler de vous, reine Ishana, en d'autres contrées que Jarkor. Asseyez-vous, si vous le désirez. » Il lui indiqua un banc et prit place sur le rebord du lit. « Vous êtes plus courtois que le laisser entendre votre convocation, » dit-elle en s'asseyant. Souriante, elle croisa les jambes. Cela signifie-t-il que vous écouterez la proposition que j'ai à vous faire ? Il lui rendit son sourire, sans amertume, chose rare chez lui. Je le pense, vous êtes une curieuse femme, reine Ishana. Je croirais presque que vous avez du sang melniboné. Tous les parvenus des jeunes royaumes ne sont pas aussi simplets que vous le croyez, mon bon seigneur. Il se peut. En vous voyant ainsi, j'avoue qu'il m'est difficile d'ajouter foi à votre sinistre légende. Et pourtant, elle inclina la tête sur le côté et le regarda franchement. Il me semble qu'elle ne fait pas justice à votre subtilité. Il en est ainsi de toutes les légendes. Oh, dit-elle à mi-voix, quelle force nous représenterions ensemble, vous et moi. Ce genre de spéculation m'agace prodigieusement, reine Ishana. Dans quel but êtes-vous venu me voir ? Je n'espérais même pas que vous m'écouteriez. Je vous écouterai, mais je ne vous promets rien de plus. Écoutez alors, je pense que mon histoire vous intéressera. Elric l'écouta et, comme Ishana l'avait supposé, son récit retint son attention. « Il y avait quelques mois, lui dit Ishana, des paysans de la province de Gavravian s'étaient mis à parler de mystérieux cavaliers qui venaient enlever des jeunes gens et des jeunes femmes dans les villages. Pensant que c'était des brigands, Ishana avait envoyé sur place un détachement de ses léopards blancs, les guerriers d'élite de Jarkor.
aucun des léopards blancs ne revint. Une seconde expédition ne parvint pas à retrouver leurs traces, mais découvrit dans une vallée proche de la ville de Tokora une étrange citadelle. Les descriptions étaient curieusement contradictoires. Pensant que les léopards avaient été vaincus pour avoir attaqué la citadelle, l'officier commandant l'expédition se contenta de laisser quelques hommes pour surveiller la place et retourna immédiatement à Darkos. Une seule chose était certaine, aucune citadelle n'existait dans cette vallée quelques mois auparavant. Ishana et Teleb Kaarna prirent la tête d'une armée importante et allèrent à la vallée. Les hommes chargés de la surveiller avaient disparu. Et dès qu'il vit la citadelle, Teleb Kaarna conseilla à Ishana de ne pas l'attaquer. « C'était une vision féerique, Seigneur Elric, » continua Ishana. La citadelle scintillait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, brillante et en constant mouvement. L'édifice paraissait irréel. Tantôt, ses contours étaient nettement dessinés, tantôt, il devenait flou et semblait sur le point de disparaître. Teleb Kaarna déclara que cela tenait de la sorcellerie et personne ne douta de son affirmation. Sans doute, dit-il, était-ce une émanation du domaine du chaos. Cela me parut vraisemblable. Elle se leva. Continuez, dit Elric en s'allongeant sur le dos. Elle fit un geste d'impuissance. Nous ne sommes pas accoutumés à de telles manifestations de sorcellerie dans notre pays. Même Teleb Kaarna, qui est originaire de la cité des statues qui hurlent dans l'île de Pantang, était déconcerté. Vous avez donc battu en retraite, dit Elric impatiemment. Nous étions sur le point de le faire, en fait, Teleb Kaarna et moi-même avions déjà tourné bride. Suivi par l'armée, lorsque nous entendîmes la musique, une musique douce, belle, surnaturelle, douloureuse, Teleb Kaarna me cria de m'éloigner le plus vite possible. Je ralentis néanmoins le pas attiré par la musique et il cravacha mon cheval qui m'emporta à la vitesse d'un dragon volant en plein ciel. Ceux qui étaient en tête avec nous purent s'échapper. Mais les autres firent volte-face et retournèrent vers la citadelle, attirés par la musique. Près de 200 hommes y allèrent et disparurent. Que fîtes-vous alors ? Demanda Elric. Ishana vint s'asseoir à côté de lui sur le lit. Il se poussa pour lui faire place. Teleb Kaarna essaya de percer le secret de la citadelle, de découvrir son but et son auteur. Jusqu'alors, sa magie ne lui a guère appris de choses en dehors de ce dont il se doutait déjà, que le royaume du chaos a envoyé la citadelle sur le royaume de la terre et augmente lentement son domaine. Un nombre croissant de nos jeunes hommes et femmes sont enlevés par les suppôts du chaos. Et ces suppôts, Ishana se rapprocha encore de lui. Et cette fois, il ne recula pas. De ceux qui ont tenté de les mettre en échec, nul n'a réussi et peu ont survécu. Et que voulez-vous de moi ? Aidez-moi. Elle le regarda, son visage tout près du sien, et avança une main pour le toucher. Vous connaissez et le chaos et la loi. D'une connaissance
immémoriale, instinctive. Si Taleb Karna dit vrai, vos dieux, après tout, ne sont autres que les seigneurs du chaos. C'est l'exacte vérité, Ishana. Et précisément parce que mes dieux sont ceux du chaos, il serait contraire à mes intérêts de les combattre. Ce fut lui, maintenant, qui s'approcha d'elle, souriant. Il la regarda dans les yeux. D'un geste brusque, il la prit dans ses bras. « Peut-être serez-vous assez forte, » dit-il énigmatiquement, juste avant que leurs lèvres s'unissent. Quant à cet autre problème, nous pourrons en discuter plus tard. Dans les vertes profondeurs d'un sombre miroir, Taleb Karna entrevit ce qui se passait dans la chambre d'Elric et fut pris d'une rage impuissante. Il tira sur sa longue barbe noire car, pour la 10e fois en une minute, l'image pâlissait. Et cette fois, malgré toutes ses incantations, elle ne revint pas. Il s'adossa dans son fauteuil de crâne de serpent et pensa à sa vengeance. Il avait tout le temps de la mûrir, car si Elric pouvait les aider dans l'affaire de la citadelle, il serait stupide de le tuer prématurément. Dans l'après-midi du lendemain, trois cavaliers faisaient route vers Tokora. Elric et Ishana chevauchaient l'un près de l'autre, mais le troisième, qui était Taleb Karna, se maintenant à distance. Et si Elric était le moins du monde embarrassé par la mauvaise humeur de l'homme qu'il avait remplacé auprès de Ishana, il n'en montrait rien. Elric, qui, en dépit de lui-même, trouver Ishana plus que séduisante, avait consenti à aller voir la citadelle afin de déterminer sa nature exacte et suggérer une façon de le combattre. Avant de partir, il avait échangé quelques mots avec Tristelune. Ils traversèrent les belles prairies de Jarkor, dorées par un soleil éclatant. Elric avait l'intention de profiter de ces deux journées de chevauchée. Il ne se sentait certes pas malheureux en galopant aux côtés de Ishana et riait de la voir si heureuse. Et pourtant, profondément enfoui dans son cœur, un noir pressentiment naquit en lui tandis qu'ils approchaient de la mystérieuse citadelle. Et il remarqua que Taleb Karna semblait parfois empli d'une satisfaction qui ne lui disait rien de bon. Il arrivait à Elric de lui crier « Hé, vieux jeteur de sorts, pourquoi ne profitez-vous pas de cette promenade dans cette merveille nature pour oublier les soucis de la cour ? Vous faites une bien longue figure, Taleb Karna. Respirez à plein poumon et venez rire avec nous. » Ce quoi Taleb Karna prenait l'air plus renfrogné que jamais et Yashana riait de lui, puis regardait Elric avec des yeux brillants de joie. Ils arrivèrent ainsi à Tokora, qui n'était plus qu'un trou fumant, calciné et puant comme le fumier de l'enfer. Elric flaira l'air. « C'est bien l'œuvre du chaos. Vous aviez raison, Taleb Karna. Le feu qui a détruit cette ville n'est pas un feu naturel. Celui qui est responsable de cela a agi pour accroître son pouvoir. » Comme vous le saviez, sorciers, les seigneurs de la loi et du chaos maintiennent d'ordinaire un équilibre parfait et n'interviennent pas directement dans les affaires de notre terre. Il est évident que, comme il arrive parfois, la balance s'est incliné légèrement en faveur des seigneurs du désordre, leur donnant accès à notre monde. Il est normal qu'un sorcier terrestre demande pour une courte période l'aide du chaos ou de la loi, mais extrêmement rare qu'une de ces deux puissances puisse s'établir aussi fermement que notre ami de la citadelle semble l'avoir fait. Le plus inquiétant, pour vous du moins, qui êtes des jeunes royaumes, c'est qu'une fois établi, un tel pouvoir peut s'accroître peu à peu. En partant de cet acquis, les seigneurs du chaos pourraient étendre leur pouvoir
à la terre entière. C'est terrifiant, dit le sorcier, et sa peur n'était pas feinte. Certes, il lui arrivait de demander l'aide du chaos, mais il n'était de l'intérêt de nul être humain d'être gouverné par lui. Elric se remit en selle, en route pour la vallée. « Est-ce bien sage ?» demanda Teleb Karna. Elric éclata de rire. « Quoi ? Vous êtes un sorcier de Pantang, cette île qui prétend être aussi avancée en sorcellerie que mes ancêtres, les empereurs de lumière ?» Non, et de toute façon, je ne suis pas d'humeur à être prudent aujourd'hui. Ni moi, s'écria Ishana en cravachant son coursier. Allons, messieurs, en route vers la citadelle du chaos. L'après-midi tirait à sa fin lorsqu'ils arrivèrent au sommet d'une des collines surplombant la vallée et purent enfin voir la mystérieuse citadelle. Ishana l'avait décrite aussi bien que le permettaient les mots. En la regardant, Elric sentit ses yeux devenir douloureux, car elle semblait s'étendre sur un sinon sur plusieurs plans, au-delà du royaume terrestre. Elle étincelait de toutes les couleurs terrestres, ainsi que de nombreux autres qui y appartenaient. Elric le savait, à d'autres niveaux de l'existence. Même ses contours étaient incertains et contrastaient fortement avec la vallée, devenue sombre, une sombre mer de cendres agitée d'un mouvement de va-et-vient, et d'où s'élevaient parfois des geysers de poussière, montrant que l'équilibre fondamental de la nature avait été détruit par la présence de la surnaturelle citadelle. Alors, Teleb Karna avait fort à faire avec sa monture, qui ne demandait qu'à prendre la fuite. « Avez-vous déjà vu pareille chose en ce monde ?»« En ce monde, certainement pas, » répondit Elric. « Mais je l'ai déjà vu lors de mon initiation ultime dans les arts de Melniboné. Mon père m'avait emmené avec lui dans le royaume du chaos, sous notre forme astrale, pour y être reçu par mon protecteur. Arioch des sept ténèbres... » Teleb Karna frissonna. Vous êtes allé dans le chaos et ceci serait donc la citadelle d'Arioch ? Elric éclata d'un rire méprisant. Cela, c'est un taudis auprès des palais qu'habitent les seigneurs du chaos. Mais alors, qui réside ici ? Demanda Ishana. Si je me souviens bien, celui qui habitait cette citadelle lors de mon voyage à travers le royaume du chaos n'était certes pas un des seigneurs, mais plutôt un de leurs serviteurs. Non, il plissa le front. Pas exactement un serviteur. Toujours vos devinettes. Teleb Karna tourna bride et commença à s'éloigner de la citadelle. Je connais bien les Melniboniens. Même mourant de faim, ils préfèrent un paradoxe élégant à une assiette de soupe. Elric et Ishana le suivirent à distance. Soudain, Elric tira sur les rênes et tendit le bras vers la vallée. Celui qui réside là-bas est un individu bien paradoxal. Il est plus ou moins le fou des seigneurs du chaos. Il les amuse et il le respecte. Le craignent peut-être même un peu. Il fait leurs délices avec des devinettes cosmiques. Ses farces satiriques spéculant sur la nature de la main cosmique qui maintient l'équilibre entre les forces de la loi et celles du chaos. Il jongle avec les énigmes, rit de ce que le chaos respecte le plus et traite avec sérieux ce dont il se moque. Elric haussa les épaules. C'est du moins ce qu'on m'a dit. Mais que fait-il ici ? Que ferait-il ailleurs ? Je pourrais sans doute deviner, sans me tromper, l'immobile du chaos et de la loi. Mais même les seigneurs des mondes d'en haut ne peuvent comprendre ceux de Balot le bouffon.
On dit que lui seul est libre de circuler entre les royaumes de la loi et du chaos. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'il fût venu sur Terre, ni d'ailleurs qu'il eût commis des ravages comme ceux dont nous avons été témoins. Il serait sans doute amusé de savoir que c'est pour moi une énigme absolue. Il doit pourtant y avoir un moyen de découvrir les raisons de sa visite, dit Taleb Karna, avec un pâle sourire. Si quelqu'un entrait dans la citadelle, allons, allons, sorcier, railla Elric. J'ai certes peu d'amour pour la vie, mais il y a des choses auxquelles je tiens, ne serait-ce que mon âme. Taleb Karna commença de descendre la colline, mais Elric demeura plongé dans ses pensées et Ishana resta avec lui. Tu sembles plus inquiet que les faits ne le justifient, lui dit-elle. C'est inquiétant. Si nous continuons à nous occuper de cette citadelle, il se pourrait fort bien que nous nous trouvions mêlés à quelques disputes entre Balo et ses maîtres, sans oublier éventuellement les seigneurs de la loi. Cela pourrait aisément conduire à notre perte, car les forces en jeu sont puissantes et dangereuses au-delà de tout ce que nous connaissons sur Terre. Mais nous ne pouvons pas simplement laisser ce Balo détruire nos villes, enlever nos plus beaux enfants et peut-être bientôt dominer tout Jarkor. Pour toute réponse, Elric soupira. Ta sorcellerie, Elric, ne suffit-elle pas à renvoyer Balo dans le chaos d'où il vient et à colmater la brèche qu'il y a faite dans notre royaume? Même les Belnimonéens ne peuvent égaler le pouvoir des seigneurs d'en haut, et mes ancêtres étaient infiniment plus versés dans la sorcellerie que moi. Mes meilleurs alliés ne servent ni la loi ni le chaos. Ce sont des esprits élémentaires, seigneurs du feu, de la terre, de l'eau et de l'air. Ils ont des affinités avec les bêtes et les plantes. Ce sont d'excellents alliés dans une bataille terrestre, mais ils seront de peu d'utilité face à un Balo. Laisse-moi réfléchir, du moins en m'opposant à Balo, je ne m'attirerai pas nécessairement le courroux de mes protecteurs, je suppose. Les vertes et luxuriantes collines ondulaient à leurs pieds vers la prairie qui se déroulait jusqu'à l'horizon sous le soleil d'ardent des ses rayons dans un soleil immaculé. Un grand oiseau de proie tournait au-dessus d'eux. Taleb Karna, déjà loin, se retourna sur sa selle pour les appeler d'une voix qu'il ne pouvait plus entendre. Ishana semblait découragée, baissant la tête et évitant le regard d'Elric. Elle commença lentement à avancer vers le sorcier de Pantang. Elric la suivit, indécis mais guère soucieux. Que lui importait après tout si... La musique s'éleva, à peine audible au début, puis s'enfla avec une douceur poignante et irrésistible, évoquant des souvenirs nostalgiques, apaisantes, quoique douant la vie d'une signification dramatique. Si elle émanait d'instruments, il n'était certes pas terrestre. Elric ressentit le désir d'aller découvrir sa source, mais le réprima. Ishana, elle, avait visiblement du mal à lui résister, le visage extatique, les lèvres frémissantes et les yeux emplis de douces larmes. Elle tourna bride. Au cours de ses errances dans les royaumes surnaturels, Elric avait eu l'occasion d'entendre pareille musique. Elle rappelait d'ailleurs les bizarres symphonies de l'ancienne Melniboné et ne l'attirait pas aussi irrésistiblement que Ishana. Il ne tarda pas à voir qu'elle était en danger et lorsqu'elle passa devant lui en éperonnant sa monture, il tendit la main pour saisir sa bride. Mais Ishana fit claquer son fouet et, poussant un juron, Elric lâcha la bride. Elle monta au galop jusqu'à la crête de la colline et disparut sur l'autre versant. « Ishana !» cria-t-il désespérément, mais le flux musical couvrait sa voix. Il regarda en arrière, espérant que Taleb Karna viendrait l'aider. Mais le sorcier s'éloignait rapidement. Il était évident qu'il avait pris sa décision
en entendant les premières notes de la musique. Elric galopa à la suite de Ishana, tout en lui hurlant de revenir. Arrivé au sommet de la colline, il la vit chevaucher à bride, abattue, vers l'étincelante citadelle. « Ishana, tu cours à ta perte !» Elle avait déjà atteint les abords de la citadelle et les sabots de son cheval soulevaient des vagues de couleurs irisées en frappant le sol métamorphosé par la présence du chaos. Bien qu'il était trop tard pour l'arrêter, Elric continua à galoper vers elle, espérant contre toute raison qu'il la rejoindrait avant qu'elle entre dans la citadelle elle-même.